Ian et Anaka dans l'équipe de Garou. Ah, ça veut dire. Vous avez ému votre coach. Ce n'est pas que lui. J'aime vous voir comme ça, Garou. Quand deux voix vous touchent à ce point, que nous annonce la suite? Moi, je trouve que c'est épouvantable. Parce que je vous demande de jouer dans l'émotion et pas de me faire chialer. T'sais, il fallait pas aller jusque-là. Mais vous êtes vraiment allé jusque-là. Et bravo. C'est chargé d'émotion. Bravo, les filles. Je vais pas vous embêter parce que vous êtes encore émus. En revanche, on veut peut-être demander aux autres coachs. Florent. Eh ben, je suis ému comme lui. Parce qu'elles nous ont fait une battle particulière. Elles ont pris chacune le dessus tout le temps. Et à la fin, elles sont redevenues harmonieuses et d'un seul coup, c'est devenu plus que de l'amour. Alors après, tu sais plus. Très belle battle. Bravo, mesdemoiselles. Une préférence malgré tout. Je garderai Anna. Anaka. Oui. Mika, vous avez ressenti les mêmes émotions que Florent Pagny. Ouais, je pense que vous avez raconté vos propres histoires. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que c'était crédible. Et c'est pour ça que ça a eu un effet sur nous tous. Et ça prend du courage. On ne peut pas apprendre vraiment comment faire ça. Ou on le fait, ou on ne le fait pas. Vous l'avez fait. Une petite préférence. Parce que Florent a dit Anaka, tout simplement, moi je dis Bian. Parce que vous avez tous les deux fait un truc super. C'est fascinant ce métier d'artiste où on peut recevoir des décharges émotionnelles d'une telle intensité. On adore parce qu'en dehors du rôle de coach, on veut bien revenir vous voir demain en concert. Quoi. Donc c'est assez incroyable de pouvoir vivre ça. C'est un moment où on a de la chance. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une voix qui chante comme si elle pouvait mourir demain. Je dirais Anaka. Anaka.
Figaro. Maintenant, c'est à vous. Des fois, les prouesses vocales sont impressionnantes, mais pas si touchantes que ça. Là, il y a les deux. Anaka, c'est l'émotion, mais en même temps, il faut que tu gardes un cap. Et Bianne, t'es une technicienne de la voix comme j'ai rarement entendu dans ma vie. Et là, je t'ai demandé d'aller dans l'émotion et tu l'as connecté tout de suite. Ça fait bouf. Et ensemble, vous avez fait ce contact-là aussi. Et ça, c'est magnifique. Et ah ouf. Ça va être compliqué, là. Là, pour choisir, vas-y, mon pote. Bianne, t'as tout devant toi, mais je vais prendre Anaka pour cette espèce de spectre. Mademoiselle Anaka, que l'on trouvera sur l'épreuve ultime. Pour Bianne, c'est la fin du concours. À moins que Mika, le seul coach à pouvoir voler un talent sur cette battle, ne décide maintenant de l'accueillir dans son équipe. Ah, je suis toute retournée. Nous aussi. Juste merci pour ce très beau moment, ce que j'ai appris, ce que j'ai partagé. Juste merci beaucoup. Ah là là. Mademoiselle Bianne. Merci à toi. Ça fait du bien ces émotions. Continue.